Oui, tiens. ជំនះកម្មតកិច្ចដំណើរការនៅទីតាមដំណើរការក្នុងផ្ដាល់វិការជូនទៅមេធាវីការពីក្តីខៀវសំផនដើម្បីបន្តការដាក់ការបង្ហាញឯកសារគន្លឹះ Merci, Monsieur le Président. Je m'en étais arrêté à l'exemple de Kampong Cham et la manière dont les choses étaient vues du côté du Vietnam. Je voudrais mentionner un autre passage sans le citer de l'ouvrage de Philip Short qui reprend les mêmes éléments relatifs à l'approche de dissidents par le Vietnam et on retrouve ce passage à l'URN en français 00639952 et à l'URN en anglais 00396587. Et ça se poursuit sur la page suivante et on parle de rapprochement avec Hun Sen, Pensovan, etc. Je parlais de l'importance de la guerre diplomatique en plus de la guerre sur le terrain. Et, lorsque Oscar Maurice a déposé, il a évoqué les relations proches qu'avait l'Allemagne de l'Est et le Vietnam. Et je voudrais du coup évoquer un document qui émane du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne de l'Est, document E3-1773, et un passage que je n'avais pas utilisé, qui en date a priori du 2 janvier 1978, où l'Allemagne de l'Est explique comment le Vietnam et ses alliés ont fait en sorte que la lettre diplomatique du Cambodge démocratique ne soit pas acceptée. Lorsque la déclaration du Cambodge démocratique ne soit pas acceptée ni par la Russie, ni par la main de l'Est, enfin, ni par l'URSS, pardon, ni par la main de l'Est. Et on retrouve ce passage à l'URN en anglais. Je vais citer en anglais, puisqu'il n'y a pas de version française. 01-24-6921 et en Khmer, ça commence à l'URN 01-32-0164 et ça se poursuit à la page suivante. Donc je cite en anglais. On 31st December 1977, the DK government published a declaration announcing that relations with SRV were being severed and maliciously blaming the SRV for the aggression. And Oscar Fischer was sent to our embassy in Peking. Willie Stoff and Oscar Fischer. In agreement with the Soviet ambassador, who had not received the declaration, receipt of the declaration was declined. On 31st December 1977, the SRV Foreign Ministry informed ambassador of socialist countries of the deteriorating situation. Fighting is continuing. End of quote. Donc là, c'est intéressant de voir que la guerre sur le terrain, la déclaration et le coup qu'a tenté de faire, le coup diplomatique qu'a tenté de faire par cette déclaration de rupture des liens diplomatiques, le Cambodge démocratique, sur les alliés proches du Vietnam, à savoir l'Allemagne de l'Est et la Russie, n'a pas marché. On montre comment les camps se forment à ce moment-là. Un certain nombre, la bataille se situe également au niveau médiatique, et là je renvoie à un certain nombre de documents FBIS, sans les citer nommément. Je pense notamment en 78
au document E3/267, document E3/267, qui est un article du 3 janvier 1978 dans Far Eastern Relations, un document E3/293, un document FBI Ace de juillet 1978. Les ERN sont, alors je vais peut-être dire les ERN parce qu'ils sont simplement sur la liste, pour E3/267, c'est l'ERN en Khmer qui va de S00680574 à 586. En français, S00008724 à 733. Le document E3/293, qui est un FBIS de juillet 78 en Khmer, c'est le 00721195, et ça se poursuit sur les pages suivantes en anglais. 00169689, et ça se poursuit sur les pages suivantes, et en français 00756543 jusqu'à 548. Et enfin, une autre série FBIS, E3/1369, en Khmer 0130304 09, en anglais 0121882 2, et en français 00701766, et ça se poursuit sur la page suivante. C'est un FBIS de mars 78, tout ça pour avoir en tête les différentes déclarations qui sont faites par presse interposée. Nous avons évidemment, pour le 6 janvier 1978, la déclaration du porte-parole du ministère de la Propagande et de l'Information du Kampuchea démocratique. Et là, je renvoie au document E3/1263 à l'ERN en Khmer 00234027 jusqu'à 30, en anglais 00337187, ça se poursuit jusqu'à 89, et en français 00087630, et ça se poursuit jusqu'à 35. Donc déclaration évidemment dénonçant l'agression subie par le Kampuchea démocratique. Il y a également un document intéressant que je vais citer cette fois-ci, toujours venant d'une analyse du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne de l'Est. C'est le document E3/540 qui n'existe qu'en anglais. Le RN qui m'intéresse est le, donc en anglais, 01246938. Pardon, il y a aussi du Khmer, 01320191. Et c'est un rapport pour information. Donc, qui date du 31 janvier 1978. Et voilà ce qui est dit au sujet de conflit frontalier. Je vais citer en anglais. The border conflict between Vietnam and Cambodia. Je vais citer, le passage qui m'intéresse, qui est plutôt à la fin de la page 3.8, qui termine par 3.8 en anglais, et qui est donc en Khmer 01320192. Et donc on parle de discussion et de la possibilité d'éventuelles négociations. Et voilà ce qui est dit.
It transpired from a conversation held at the Cambodian embassy in Hanoi that Phnom Penh claims that Vietnam is only willing to negotiate from a position of strength and is refusing to recognize current borders. This view rests on the fact that the legitimate borders between the two countries were established in 1939 by the French Protectorate of Cambodia and France as the representative of its colonies in Indochina. That erstwhile border demarcation was purportedly confirmed in writing during a visit of a delegation of the Provisional Government of the Republic of South Vietnam in 1967. A conversation with a member of the then RSV delegation revealed that such an agreement had indeed been signed, that notwithstanding, the Foreign Ministry of the SRV officially prohibited the Cambodian embassy from disseminating a book with a map of Cambodia. The purported reason given by the Vietnamese side was that it represents an attack on Vietnam sovereignty. End of quote. Je cite un autre passage qui est donc à partir de l'anglais 01-24-6-9-3-9. Et c'est intéressant parce que ça date du 31 janvier 78 et que lorsque on a posé la question à Stephen Morris sur les velléités en 78 de négociation du Vietnam, il a répondu que selon ses recherches, fin 77, il n'y avait plus de volonté de négocier des deux côtés, en tout cas pas du côté du Vietnam. Et il a indiqué également que les raisons ou les conditions de négociation qui étaient invoquées par les deux pays étaient inacceptables par l'un ou l'autre côté. Je remets cette citation en contexte, puisque là encore, c'est le rapport de l'Allemagne de l'Est que je cite. Et voilà ce qui est dit sur la position officielle de la République du Vietnam. Donc, à l'URN, que j'ai cité 01-24-6939 en anglais, et en Khmer, 01-32-01-94. Je cite en anglais. Confidential reports state that the SRV side is striving for a solution of the kind that would enable the remaining patriotic forces of Cambodia to seize the initiative and wrest power from Pol Pot and his followers. Of the current group of five in Phnom Penh, Politburo member Nguyen Chia alone has yet to compromise himself directly vis-à-vis the SRV. Cela renvoie à ce qui avait été dit sur les tentatives d'approche du Vietnam pour d'éventuels gens au sein du gouvernement, de l'équipe dirigeante du Cambodia démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'Allemagne de l'Est confirme qu'à cette date, janvier 1978, le Vietnam a bien pris sa décision Vietnam de soutenir un renversement éventuel du régime du Cambodgia démocratique et que les négociations, si on en a parlé
ou s'il y a des déclarations publiques disant qu'on pose telle ou telle condition, on est plus à l'heure de négociation. Du côté du Kampuchea démocratique, toujours 78, début 78, janvier 78, nous savons que les troupes vietnamiennes se sont retirées parce que pour l'image, ça ne faisait pas bien de rester. Et on a les différents discours que nous avons pu évoquer dans le cadre des audiences, les différents discours de Pol Pot, et notamment le fameux discours 1 contre 30, quand on parle de la disparité des forces militaires. Alors bien sûr, on ne va pas dire que c'était un discours qui était réaliste, 1 contre 30. On a eu... de mémoire, le témoin Prom Sarat qui a évoqué ce discours comme étant une manière d'encourager les forces armées. Et si on ne lit pas ce discours en fonction de ce qui se passait par ailleurs, à savoir que la raison pour laquelle le Kampuchea démocratique avait rendu public le conflit armé avec le Vietnam à ce moment-là, c'était justement pour qu'il y ait une réaction de l'opinion internationale, en tout cas de ses alliés, pour tenter d'arrêter le Vietnam. Si on ne comprend pas que ce discours s'inscrit dans ce contexte-là, effectivement, on ne voit pas de logique. En revanche, sur la question des 1 contre 30, c'est important de rappeler ça, on l'a vu dans le discours qui se trouve dans l'étendard révolutionnaire 3/4604 que nous avons de l'autre côté aussi de la barre qui a été largement utilisé. Nous soutenons à nouveau qu'il ne s'agit certainement pas d'un appel à génocide comme ça peut être l'interprétation de l'accusation lors de l'audience des documents pieds sur le segment des Vietnamiens, mais simplement, encore une fois, un encouragement d'une armée dont on sait qu'elle est faible numériquement par rapport aux troupes vietnamiennes, dont on sait qu'elle est moins bien lotie en matière d'armement, et que l'idée est d'essayer de tirer parti de ce retrait vietnamien pour donner le moral aux troupes. C'est intéressant aussi de voir que dans un autre document interne au PCK, donc un étendard révolutionnaire de février 1978, même si effectivement on pavoise un peu sur la victoire de janvier 1978, dans ce document 3/744, à l'URN, en français 00538948, à l'URN en anglais 00464-06-7 et à l'URN en Khmer 00064-45. Il est intéressant de noter donc à cette page-là que la question de la petite taille du pays et du fait que le Kampuchea démocratique n'a aucun intérêt à envahir une puissance plus importante que la sienne se retrouve. Et c'est intéressant de noter qu'elle se retrouve dans un document interne. Donc c'est peut-être de la propagande si on veut l'analyser comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dit aux membres du PCK. Voilà ce qui est dit. Si la partie vietnamienne cessait de s'ingérer, d'effectuer la subversion, de tirer dans le tas, de lancer des roquettes, d'envahir et d'annexer le Kampuchea démocratique en éliminant complètement la doctrine des grands pays par rapport au Cambodge, le principe de la fédération indochinoise du Vietnam, le principe du parti unique, du pays unique, au sein de l'Indochine, ceci constituant les racines de la politique de répression, de vocifération, de menace, de subversion, d'invasion, d'expansion, d'absorption de territoires du Vietnam par rapport au Cambodge,
Il n'y aurait alors pas de conflit entre nos deux pays. Et l'amitié pourrait réellement naître. Il ne ferait que se consolider et se développer au fur et à mesure. Absolument. Il s'agit là d'un objectif de notre gouvernement et notre peuple qui est tellement petit qu'il n'a absolument aucune raison d'aller chercher des histoires à quiconque. Il ne voudrait que la paix dans son indépendance et dans son intégrité territoriale. C'est tout. Fin de citation. Viennent ensuite, toujours pour remettre dans le contexte, des rapports et télégrammes sur la situation sur le terrain. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de télégrammes qui ont été cités, mais je renvoie notamment au télégramme E3-913, qui est un télégramme du 15 janvier 1978, signé Pong. Document E3-860, qui est un rapport à Bang 9 de l'unité 05 du 15 avril 1978. Et je renvoie également à E3-946, télégramme 20 sur la situation de l'ennemi à Pritunle du 26 avril 1978. Après, il y a un rapport général E3-862, qui est un rapport sur la situation de tous les secteurs, de toute la région jumelée, pour la première semaine de mai 1978. Et on voit quels sont les affrontements et les lieux où il y a des affrontements armés. Pour cette période de 1978, on arrive à la fin et on sait que c'est bientôt la fin. Octobre 78, nous avons le fameux rapport de Douglas Pike, E3-230, qui analyse le conflit vietnamo-cambodgien pour le Congrès. Et c'est vrai que l'ensemble de ce document est intéressant parce qu'il a le mérite de donner une vision, la position des différents protagonistes avec une analyse, quand on la regarde a posteriori, qui est quand même assez intéressante et qui est assez juste, avec seulement, et ça c'est intéressant de voir, que du côté des États-Unis, il y a en octobre 78, on ne voit pas du tout. On n'envisage pas du tout une solution rapide du conflit. C'est d'ailleurs dans les conclusions de ce rapport. On retrouve cela à la dernière page du rapport, donc le RN en français, 00-344-748, en anglais, 00-1873-96. Et c'est intéressant de voir que dans toutes les solutions qui sont envisagées, au point 10, Douglas Pike, lui, envisage ceci. L'issue la plus probable de cette guerre semble actuellement être une prolongation pour une durée indéterminée, c'est-à-dire une alternance indécise entre intensification et affaiblissement des combats. La deuxième issue la plus probable, la transformation du Cambodge en État client, est une perspective attrayante pour le Vietnam, mais présentant de nombreux dangers. La troisième issue la plus probable, la négociation d'une solution, pourrait se concrétiser, mais cette voie est semée d'embûches énormes. Fin de citation. Et là, on est vraiment dans la cristallisation de ce qu'était la guerre froide, à savoir que les Américains, qui n'avaient pas de rapport proche avec le Vietnam, n'avaient pas les mêmes informations que les Russes, à savoir qu'il y avait un plan bien avant octobre 1978 pour une intervention beaucoup plus rapide que ce que cet analyste américain envisageait. En tout état de cause, je renvoie également au point 5 qui se retrouve à la conclusion de ce rapport, où il fait une analyse la guerre frontalière, et il dit, c'est à l'URN en français, 00-344-747, à l'URN en anglais, 00-1873-96, où il dit ceci.
L'actuelle guerre frontalière, qui est en fait un conflit communiste interne, fait rage depuis au moins 1970. Aucune des parties ne peut être condamnée comme l'instigatrice de cette guerre. Aucune n'en est simplement la victime. Fin de citation. Je renvoie également, avec un petit tout retour en arrière, sur les différentes communications qui ont pu être faites par les responsables du Kampuchea démocratique. Je renvoie notamment à une interview de Pol Pot donnée à des journalistes yougoslaves, je ne sais plus. Document E3-1583 qu'on retrouve à l'ERN en Khmer 00334930. Et au page suivante, à l'URN en anglais, S00011305. Et au page suivante, et à l'URN en français, S00763961. Et au page suivante. Également, un communiqué de presse du ministère de la Propagande et de l'Information du Kampuchea démocratique de mai 78 est intéressant. Document E3-9378, là encore toujours les mêmes. Je vais aller plus doucement. Communiqué de presse du ministère de la Propagande et de l'Information du Kampuchea démocratique de mai 78, ERN en Khmer 00224493 jusqu'à 95, ERN en anglais 00337920 jusqu'à 21, et en français 00076146 jusqu'à 146. Et également des articles de presse et des communiqués que l'on peut retrouver en date de juillet 78 au document Far Eastern Relations de E3-7306. Toujours une bataille, une guerre médiatique et diplomatique en plus de ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai oublié de mentionner tout à l'heure en évoquant le rapport de Douglas Pike que ce manque de visibilité sur ce qui se tramait exactement entre le Vietnam et le Cambodge et la raison pour laquelle, lorsque Elisabeth Baker est venue témoigner devant cette chambre, elle a indiqué que quand elle s'est rapprochée des services de renseignement américains, on lui a dit qu'en décembre 78, il n'y avait aucun problème, qu'elle pouvait aller au Kampuchea démocratique, qu'il n'y avait pas a priori de guerre imminente à craindre. Autre élément qui démontre l'escalade de la guerre sur place, sur le terrain et également dans les médias, je renvoie à deux documents, E3-726, qui est un article du Washington Post qui évoque des rapports sur une rébellion interne et sur le rôle de Hanoï dans cette rébellion. Donc c'est une parfaite illustration de ce qui a pu être dit à l'audience et de ce qui a pu être dit également par Philippe Short et également l'extrait de ce que j'ai dit tout à l'heure dans le document de Mosiakov. Également un document E3-2370 Far Eastern Eastern Relations, document 5 décembre 78, on se rapproche de la fin. ERN en Khmer 00251353 jusqu'à 356. ERN en anglais 00187375 jusqu'à 397. ERN en français 00344726 jusqu'à 748, et c'est sur une période de plusieurs semaines les différents communications qui ont été faites soit par Hanoï, soit par Phnom Penh et qui démontrent l'escalade du
l'escalade des affrontements. Nous arrivons maintenant en décembre 1978 et nous avons ce qui a été également évoqué par le témoin de TCW 1065, à savoir le congrès du Cambodian National United Front. Et on retrouve la présentation de ce mouvement officiellement au document E3-7310 à l'URN qui commence en anglais à S00013294. Et en Khmer, S011371152. Et on voit une déclaration faite par le mouvement, les différents signataires, les personnes qui sont présentes et qui confirment ce qu'a dit de TCW 1065 sur cette réunion de décembre, début décembre 1978, en présence, et là je cite à l'URN en anglais, S00013295, en présence d'un Heng Samrin, Chisim, Rosamai, Matli, Bunmi, Unsen, Madame Min Saman, Mi Samnong, Neu Samon, Hedmong Long Sim, M Samrin, Chekanna, Chan Ven, et Praksun. Vient ensuite la déclaration plus détaillée et la plateforme du mouvement dont le témoin nous a dit qu'il avait été établi à la suite d'une formation à Ho Chi Minh. Donc là, c'est toujours décembre 78 et vient janvier évidemment 79, c'est le chant du cygne. Et ça y est, les troupes vietnamiennes sont bien avancées dans le territoire de Kampuchea démocratique. Et le 3 janvier 79, un télégramme est adressé par Yeng Sari au Conseil de sécurité, au président du Conseil de sécurité, demandant une intervention et surtout, ça se retrouve à l'URN en français 00224428, en anglais 00081490 et en Khmer 00224425, où il demande la chose suivante. Primo, condamner le Vietnam pour avoir agressé le Kampuchea démocratique, exiger que le Vietnam cesse son agression contre le Kampuchea démocratique, abandonne son ambition d'avaler le Kampuchea et respecte par des actes concrets l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Kampuchea démocratique et le droit du peuple du Kampuchea de décider lui-même de sa propre destinée. Secondo, cesser toute aide et assistance au Vietnam pour qu'il ne puisse pas consolider ses forces d'agression contre le Kampuchea démocratique. Tertio, apporter leur soutien à la juste lutte du Kampuchea démocratique. Fin de citation. Dans la même veine, il y a une déclaration de Pol Pot du 4 janvier 1979 que l'on retrouve au document E3-7311. Mais comme je l'ai indiqué, c'est le chant du cygne, c'est déjà terminé pour le Kampuchea démocratique. Et pour que la vision soit complète, puisque c'est par la suite un nouveau chapitre de l'histoire du Cambodge qui s'ouvre, je voudrais simplement citer un passage de
Philippe Short, qui évoque l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge et ce qui ensuite laisse ce profil pour l'avenir. On retrouve cela au document E3-9, ERN en français 00639988. ERN en anglais 00396625. Voilà ce qui est dit. En janvier 1979, une écrasante majorité de Cambodgiens accueillirent les Vietnamiens en libérateurs. Ils avaient beau être considérés comme l'ennemi héréditaire, l'horreur du régime Khmer Rouge avait été telle que toute autre solution était préférable. Les propagandistes vietnamiens exploitèrent pleinement la situation. L'armée du Vietnam, prétendirent-ils, n'était pas entrée au Cambodge pour l'occuper, mais pour délivrer la population de la servitude imposée par un régime fasciste et tyrannique qui appliquait une politique génocidaire caractérisé par des massacres et par la famine. C'était bien sûr parfaitement fallacieux. Les atrocités Khmer Rouge n'avaient pas gêné les Vietnamiens le moins du monde avant qu'ils ne décrètent que le régime de Pot menaçait leurs intérêts nationaux. Mais la notion d'intervention humanitaire influença l'opinion étrangère et pendant un temps déteignit aussi sur les attitudes à l'intérieur même du Cambodge. La gratitude humaine est cependant éphémère. Il ne fallut que quelques mois vietnamiens pour se rendre indésirables. Fin de citation. Et pour clore sur ce qui allait se profiler, je pense qu'il était quand même important de rappeler que ce chapitre de l'histoire du Cambodge par lequel s'est terminé ce conflit armé, dans le cadre de cette enceinte, a poursuivi par la suite, et je renvoie notamment à une déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation du Kampuchea, qui devient une préoccupation pour les Nations unies. Suite notamment à un lobbying des anciens du Kampuchea démocratique, mais également de ce Samdang Sihanouk. Et je renvoie au document E3-7247 qui évoque donc une déclaration sur la situation du Kampuchea en date du 14 novembre 1979. J'en ai terminé, Monsieur le Président, de la présentation de ces documents clés. Et bien sûr, je continuerai à évoquer la question en réponse lundi aux documents de l'accusation. សម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអង្គការប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយអង្គជំនះនឹងធ្វើសម្រាប់ការបន្តការដាក់បង្ហាញឯកសារកន្លឹះដោយអង្គជំនះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់សហមិត្តវិនិយោគក្នុងដើមនឹងរបស់វិនិយោគថាពីញ្ញានិងសហមិត្ត